Premier problème, le cric d'une voiture a la forme d'un losange de 21 cm de côté. À quelle hauteur soulève-t-il la voiture lorsque la diagonale horizontale mesure 32 cm, arrondir au millimètre? Donc, première habitude qui est en général pertinente, c'est de bien interpréter les informations qui sont données dans l'énoncé par rapport à un schéma qui est fourni ou que vous créez vous-même. Donc, le cric d'une voiture a une forme de losange de 21 cm, ça veut dire qu'ici on a 21 cm pour les quatre longueurs de côté. À quelle hauteur soulève-t-il la voiture lorsque la diagonale horizontale mesure 32 cm? Donc la question qui est posée, c'est quelle est la hauteur h? Ici, on peut donc se rendre compte que nous avons affaire, si je fais un zoom, à une figure qui est un losange. Oups. Dans un losange, nous savons que les diagonales se coupent d'un angle droit. Ici, nous avons 21 cm. Ici, nous avons 32 cm. Donc, la moitié ici va faire la moitié de 32, c'est-à-dire 16, puisque les diagonales dans un losange non seulement se coupent d'un angle droit, mais elles se coupent en leur milieu. Et enfin, la longueur que nous cherchons, c'est la hauteur. Donc nous pouvons ici poser x. On pourrait travailler avec h sur 2, mais ce n'est pas forcément très agréable. Donc x, la demi-hauteur. Donc nous avons ici un triangle qui est un triangle rectangle dans lequel nous connaissons deux côtés. Nous cherchons le troisième, situation typique d'application du théorème de Pythagore. Puisque le triangle rectangle, nous savons que la somme des carrés des catètes est égale au carré de l'hypoténuse, c'est-à-dire x carré plus 16 au carré est égal à 21 au carré. D'où x carré, 16 au carré fait 256, 21 au carré, voilà, c'est pas interdit de céder de la calculatrice, mais c'est pas interdit non plus de connaître quelques carrés parfaits, 441. Donc x carré est égal à 441. Voilà, 415. Non, je n'arrive pas, on recommence. 4 est difficile. 441 moins 256, c'est-à-dire 185, ça fait erreur. Donc x algébriquement est égal à plus ou moins la racine carrée de 185. Mais puisque nous avons affaire à x qui est une longueur, x va bien sûr être égal uniquement à la solution positive de l'équation, c'est-à-dire plus la racine de 185. La racine de 185 qui peut être simplifiée. Disons, on va essayer. 185, c'est 5 fois 37. Ah bah non, on ne peut pas simplifier, donc on ne peut pas écrire les choses mieux. Nous cherchons h, donc la hauteur qui est 2x, qui est donc égale à 2 fois la racine de 185. Et là, bien sûr, on donne également une valeur obtenue à l'aide de la calculatrice. Oups. Non, on va pas écrire les choses comme ça. Pardon, on va essayer d'être un peu plus élégant. Donc, on dit qu'on obtient une valeur qui, d'une part, est approchée et d'autre part, provient de la calculatrice, et donc 2 fois racine de 185, ça fait environ 27,2 l'unité, les centimètres. Problème suivant. Pour apprendre son métier, un apprenti maçon a monté un mur en briques de 0,9 mètres de hauteur, donc on peut même simultanément dire qu'ici on a 0,9 mètres. Son patron arrive pour vérifier son travail, il marque un point B sur le mur à 80 cm
du sol. Donc attention, le point B n'est pas au sommet du mur, hein, mais il est bien un peu plus. Là, je vais jusqu'au sommet pour avoir 0,9. Et un point A à 60 cm du pied du mur. Donc le point A ici est à 60 cm. Mesurer la distance entre les points A et B et obtient 1 mètre. L'apprenti a-t-il bien construit son mur perpendiculaire au sol? Justifié. Donc la question est, l'angle alpha ici est-il égal à 90 degrés? Pour ceci, nous utilisons un triangle rectangle ici, pardon, un triangle dont nous nous posons la question de savoir s'il est rectangle ou pas. Qu'est-ce que nous savons de ce triangle? Nous savons que la longueur du grand côté, c'est 1 mètre, la longueur du petit côté, c'est 60 cm, et la hauteur du petit côté, je n'ai pas noté encore ici, hein, 0,8, c'est ce qui va de ici jusqu'à ici. Donc, nous savons par la réciproque du théorème de Pythagore, le théorème de Pythagore nous dit si le triangle est rectangle, alors le carré de l'hypoténuse est égal au somme des carrés des catètes. Vous avez remarqué que j'essayais de ne pas parler ici d'hypoténuse, parce que c'est la réciproque du théorème de Pythagore qui me dit que si dans un triangle, le carré du grand côté est égal à la somme du carré des deux plus petits, alors le triangle est rectangle. Donc, on va utiliser ici la réciproque. C'est important de bien comprendre quel est le résultat que nous utilisons. Ce n'est pas le théorème de Pythagore. Mais c'est ça, réciproque, enfin, selon comment, évidemment, on a énoncé les choses durant le cours. Donc, je vais me poser la question, donc je l'écris peut-être parce que c'est assez intéressant. Donc, si dans un triangle ABC, on a A carré plus B carré, c'est-à-dire la somme de deux côtés, qui est égal, les carrés des deux côtés, qui est égal au carré du troisième, ou forcément C doit être le plus grand, sinon c'est pas possible. Alors, le triangle ABC, oups, ABC est rectangle. En plus, on sait qu'il sera rectangle dans l'angle qui correspond. Donc ici, on est dans une situation où on a un triangle. Je prends ici un triangle quelconque ABC avec, par convention, A, le côté opposé au sommet A, B, le côté, la longueur du côté opposé au sommet B, C, etc. Donc si on est dans la situation A carré plus B carré égale C carré, c'est-à-dire C est forcément le grand côté, alors AB sera rectangle en C, c'est-à-dire c'est cet angle-là qui est un angle droit. Donc il me suffit de tester ici, dans cette situation, est-ce que c'est le cas ou non. Donc, je prends le grand côté, c'est-à-dire. Alors, il y a simplement une petite subtilité, c'est que certaines grandeurs sont données en centimètres, d'autres sont données en mètres. Donc, bon, comme ici j'ai 1, 0,8 et 60, on va mettre 60 en mètres. Donc, est-ce que 1 au carré est-il égal à 0,6 au carré plus 0,8 au carré. Si oui, le triangle est rectangle, sinon, le triangle n'est pas rectangle. Donc ça fait 1 au carré est-il égal à 0,6 au carré, ça fait 0,36 et 0,8 au carré fait 8 fois 8, 64, donc 0,64, 0,36 plus 0,64 font bien 1. J'en déduis que l'angle alpha, puisque je l'ai appelé ici alpha, est égal à 90 degrés. L'apprenti maçon a bien fait son travail.